Et c'est vrai que je suis assez triste de voir que les chiffres du taux, du nombre de suicides chez les adolescents ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors, moi, à tous les jeunes, il y en a peut-être ici ce soir qui sont présents, à tous les jeunes qui se sentent seuls, hein, qui se sentent pas bien, qui ont peur d'être jugés ou j'en sais rien, dites-vous que des amis qui seront là pour vous écouter, il y en aura toujours. Et la mort, c'est pas une solution. Il faut juste en parler. C'est super important. Vraiment. Et on a la chance d'être dans une génération, nous, on est en 2019, où beaucoup de choses sont permises aujourd'hui. Enfin, sont permises, pardon. Genre, on peut aimer qui on veut aujourd'hui. Bon, malheureusement, pas encore partout, mais beaucoup, dans beaucoup de pays en tout cas. On peut être libre, on peut faire ce que l'on veut. Et donc on est dans un monde où on a beaucoup de choses qui sont à notre disposition. Donc vraiment, à tous les jeunes, parce que je suis sûre qu'il y en a ici ce soir, qui se sentent seuls et tristes et qui ont l'impression que leur vie est juste à chier. Les gars, ça va aller, ok? Trouvez-vous des jeunes, et ça va aller. Voilà, la petite séquence émotion est dite. J'ai appris aujourd'hui qu'un ami d'enfance à moi a été décédé dans un accident de voiture. Et quand on apprend ce genre de choses, on apprend juste à savourer deux fois plus la vie qu'on a et la chance qu'on a d'être en vie. Donc voilà, maintenant, je me tais, je chante. Cette chanson s'appelle Cry Out et merci beaucoup de m'avoir écouté. I realize the pain is strong. I'm begging you, can you please undo my affliction? I know I gave up, I've hit the ground. I'm breathing in the dust where I'm lying. When will I get up? I'm numb inside. Oh, listen now. So I cry. I'm numb inside. All is enough.